Il arpente toujours les terrains de la région, mais il est passé de l'autre côté de la barrière. Thierry Steinmetz, un nom qui parle aux amateurs de foot lorrain. Passé par le centre de formation de Lens, ce numéro 10 très technique a brillé dans plusieurs équipes mosellanes comme Amnéville ou Forbach. En 2012, il a même signé un bref contrat professionnel avec le FC Metz avant de partir jouer au Luxembourg. Mais en 2017, la vie de Thierry bascule. Une tumeur maligne sur le tibia l'oblige à se faire amputer de la jambe gauche. Sa carrière est stoppée net. C'est un peu brutal. Il y a un temps d'adaptation, il y a un temps où voilà, il faut l'accepter. Et une fois que ce temps-là il est passé, voilà, on se relève et on se reconstruit autrement. Je dis toujours que je vis le foot maintenant par procuration, c'est autrement. Et voilà, c'est tout aussi bien. Le foot par procuration, car le Mosellan de 36 ans est aujourd'hui entraîneur, en charge des jeunes chez lui à Creutzwald et de l'équipe de Hombourg qui évolue en 8e division. Avec les Spartiates, il a réussi l'exploit d'éliminer Auxerre, un club de Ligue 2, lors du précédent tour de la Coupe de France. Une performance jamais réalisée par un si petit club. Je suis content en premier lieu, bien sûr, pour les joueurs, parce que c'est ce qu'ils sont en train de vivre, c'est magique. Et on a envie de pousser le rêve encore plus loin. Voilà, on a fait des choses qui n'ont pas été faites encore dans l'histoire de la Coupe de France. Donc ils ont déjà écrit leur petite histoire, donc je suis déjà content pour eux. Et on n'a pas envie que ça s'arrête, clairement. Ce dimanche, face à Prix-les-Mézières, qui évolue 3 étages au-dessus de son équipe, Thierry Steinmetz sait que l'effet de surprise n'opérera plus et il s'attend à un match compliqué. Mais l'entraîneur Dombourg en est persuadé. Si ses joueurs se montrent aussi solidaires et sérieux que contre Auxerre, une nouvelle surprise est possible.